Bonsoir, Monsieur le Président. Merci pour ce privilège que vous nous faites, malgré votre agenda aussi chargé, d'animer le panel de ce soir. Le président Roger Kodo-Dang est député de son pays. Il est président sortant du Parlement panafricain. Il est député panafricain. Président sortant du Parlement panafricain et ambassadeur de bonne volonté du Parlement panafricain. Il a bien voulu animer le panel de ce soir. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui laisser la parole. Monsieur le Président Kodo-Dang, vous avez la parole. Je suis député à l'Assemblée nationale du Cameroun depuis une vingtaine d'années. Et là, j'ai fait 15 ans au Parlement panafricain où j'ai occupé les postes de premier vice-président, de président et de président. Mon mandat vient de s'achever en mai 2021 et je suis désormais ambassadeur de bonne volonté du Parlement panafricain en même temps. Député au Parlement panafricain et député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc, je me mets à votre disposition, je me mets à la disposition de tous les panélistes pour répondre à leurs questions ou bien pour contribuer à ce panel. Donc, je suis à votre disposition. Merci bien, Monsieur le Président. Je vais préciser à nos panélistes que notre panel de ce soir sera beaucoup plus interactif. Je vais déjà dire que nous aurions bien voulu que vous nous dites un peu, nous savons les réalisations que vous avez eu à faire pendant vos deux mandats à la tête du Parlement panafricain. Nous aurions bien voulu que vous nous fassiez l'honneur de nous retracer un tout petit peu ces réalisations parce qu'il y a des jeunes diplomates parmi nous et des jeunes qui ne savent pas ce qu'est le Parlement panafricain et les réalisations que vous Que je vous avez. dis que le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine. C'est un Parlement des peuples africains. C'est une maison politique et diplomatique. Donc, nous sommes le bras, le prolongement de la diplomatie des États africains et également une maison politique où on a pour mission l'intégration du continent africain. Comme vous pouvez le constater, cette intégration, ce n'est pas un chemin très facile, mais nous essayons de tout faire pour que le continent africain soit unifié. Et à ce titre, nous sommes appelés à voter les lois au niveau du continent, les lois qui intègrent tous les problèmes communs aux États africains, mais sans toutefois s'attaquer aux souverainetés des pays africains. Donc voilà un peu le rôle du Parlement panafricain, dont le siège est en Afrique du Sud, à Midrand. Nous sommes composés de 275 députés et sénateurs de tout le continent africain. Nous siégeons deux fois par an et nous traitons des problèmes d'intérêt commun au continent africain. Allô? Merci bien, Monsieur le Allô? Président, pour cette présentation. Je vais demander aux participants de se manifester, puisque nous n'avons pas assez de temps, que celles et ceux qui ont des préoccupations particulières, je vais demander à Madame Bekenem de prendre la parole. Merci, Président, d'avoir laissé vos activités pour participer avec nous, pour nous parler de votre expérience en tant que président du Parlement africain. Moi, je suis jeune diplomate camerounaise en service au ministère des Relations extérieures. Bon, Au Président, Cameroun, bravo. Oui, au en Cameroun. service aux relations. Ah, d'accord. Au Oui, ministère des allez-y, Relations je vous extérieures du écoute. Cameroun. Monsieur le Je vous Président, écoute, madame. pendant votre fonction, parlez-nous un peu de votre expérience en tant que président du Parlement. Mais j'ai accumulé une longue et riche expérience. J'ai pu vous assurer, madame, que ce que j'ai fait au niveau du Parlement panafricain, je ne saurais compter. J'ai assisté au sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. Et j'ai porté la voix des peuples africains à ce sommet, le dernier sommet de 2017 à Abidjan.
J'étais le porteur des lois. Ça m'a permis d'entrer haut dans les profondeurs de la diplomatie des États et de voir quel est le rôle que le Parlement peut jouer dans la diplomatie des nations. Parce que nous avions des relations avec le Parlement européen, nous avions des relations avec le Congrès américain et nous avons pu négocier avec toutes les techniques diplomatiques de négociation pour avoir une place de choix dans la diplomatie internationale. Merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler aussi, je voudrais informer aussi que le Parlement panafricain organise des sections chaque année et le président Kodo Dang fait toujours l'honneur à la jeunesse africaine de l'associer à ses assises, à ses rencontres. Et j'ai eu ce privilège-là il y a 2 ans à Brazzaville, lorsque le président... À Brazzaville, vous avez assisté à notre sommet sur la santé à Brazzaville. Exactement, le sommet sur le financement de la santé du sida, dont vous avez... Et vous pouvez témoigner que c'était comme si on était à l'avant sur l'OTAN. Maintenant, après notre sommet, il y a eu cette grande pandémie, cette grande pandémie qui est en train de plomber le continent africain aujourd'hui. Effectivement. C'est pour dire que vous êtes un visionnaire, vous avez pris de l'avance et je vous en remercie, particulièrement pour le fait que vous associez la jeunesse à toutes vos initiatives. Je ne vous connaissais pas auparavant. La jeunesse, c'est le fer de lance de notre continent. Aujourd'hui, l'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants et cette population est composée à près de 70% des jeunes. Donc, nous sommes en train de passer le relais à la jeunesse et les initiatives que vous prenez de vous intégrer dans cette marche vers l'histoire, c'est une bonne initiative. Moi aussi, en retour, je vous en félicite parce que vous ne vous découragez pas. Vous savez qu'un continent comme le nôtre, c'est très difficile, mais vous faites des efforts pour vous mettre à la hauteur des attentes que nous mettons en œuvre. Merci bien, Monsieur le Président. Il y a un diplomate de l'UNESCO à Paris qui est avec nous, qui a souhaité prendre la parole. Je me permets de vous laisser la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour toutes les explications que vous venez de nous donner. Moi, je suis Moussa Cissé, donc diplomate malien en poste à l'UNESCO à Paris. J'ai deux questions. Je commencerai par la première. Je voudrais savoir comment se transposent les décisions que vous prenez au niveau du Parlement dans le droit positif des États membres. Je voudrais d'abord vous répondre aussi rapidement. Le Parlement avait été mis en place en 2004. Avec un mandat consultatif facultatif. D'accord. C'est-à-dire, on devait faire des recommandations à la conférence des chefs d'État qui pouvait les rendre en loi, qui pouvait faire force de loi si la conférence le souhaitait. Mais on a eu, justement, là où nous sommes bloqués aujourd'hui, c'est qu'en 2014, de 2004 en 2009, le mandat consultatif était censé achever pour que nous soyons dotés de plein pouvoir législatif. Nous avons donc eu à travailler pour l'amendement du protocole et ce protocole a été amendé depuis 2014 à Malabo. Et c'est ce protocole qui nous donne le pouvoir législatif. Et cette législation va se faire par interposition. Nous votons les lois, nous adoptons des lois que nous envoyons à la conférence des chefs d'État et une fois les chefs d'État validés, ça rentre dans les États, d'abord pour être ratifié par les différents parlements nationaux et puis internaliser ça dans le droit des États, dans le droit positif des États. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est assez, c'est un peu complexe parce que nous ne votons pas directement des lois qui s'appliquent au peuple. Surtout, je vous ai dit, parmi les problèmes d'intérêt commun économique, aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique vote des lois dans ces domaines, mais nous les envoyons à la conférence des chefs d'État et une fois que les chefs d'État adoptent, on renvoie dans différents pays pour la ratification selon les modèles, selon les canaux de ratification dans chaque État. Et une fois ratifiés, maintenant, on peut les internaliser dans le droit positif des États.
D'accord, vous comprendrez aisément que pour le citoyen lambda africain, c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe. C'est un mécanisme qui est complexe. Et j'avoue que c'est un mécanisme qui est complexe. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Si on regarde ce qui se fait avec les décisions des chefs d'État prises dans les différents sommets que les États sont appelés à ratifier, ça sera la même chose. Hein? Les chefs d'État prennent quand même, lorsque les chefs d'État de l'Union africaine se réunissent, s'ils prennent une décision, là, ils ont pris une décision sur le médicament en Afrique, les pays sont en train de ratifier. Ça sera la même chose. Il n'y a pas, c'est pas compliqué. Peut-être c'est le cheminement. C'est le cheminement qui peut paraître compliqué, mais je crois que ça sera la même chose. Pour moi, merci en tout cas pour les réponses. Pour ma deuxième question, vous comprendrez ici que malien, donc je m'intéresse à l'actualité du Parlement. Voilà, pour la raison bien évidente de l'actualité électorale au niveau du Parlement. Au Mali? Au niveau du Parlement, au niveau du Parlement africain. Nous avons assisté très malheureusement à des scènes qui ne sont pas très gaies lors de la tentative de mise en place du nouveau président, de l'élection du nouveau président. On a cru comprendre qu'il y a un mécanisme de rotation qui était prévu entre les différentes régions géographiques. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu marcher et qu'on soit arrivé à des scènes de ce genre? Je voudrais informer l'opinion continentale et même l'opinion internationale. Les scènes qui se sont passées en Afrique du Sud, c'était des scènes d'une extrême violence où les gens, une partie de l'Afrique australe a voulu prendre en otage le Parlement panafricain. Le Parlement, je vous ai dit, avait été mis en place en 2014 avec 5 ans de période d'exercice avant de passer à l'exercice de voter les lois. C'est ainsi que en 2014, les chefs d'État ont adopté le protocole qui est dit le protocole de Malabo. Et ce protocole doit être ratifié par 28 États membres. Jusqu'à ce jour, il n'y a que 13 qui ont ratifié le protocole. Et la rotation est contenue dans ce nouveau protocole à l'article 12 du nouveau protocole. Or, tant que le protocole n'a pas été ratifié par les 28 États, tant que nous n'avons pas encore modifié notre règlement intérieur, nous ne pouvons pas appliquer un protocole qui n'est pas ratifié. Or, il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Les gens voulaient que dans un protocole de 27 articles, qu'on aille seulement prendre l'article 12 parce que ça les arrangeait, qui est la rotation. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas compris. Nous sommes une maison politique. Nous devons montrer l'exemple même de la démocratie. Nous devons voter tout le monde. Mais le fait de faire la rotation même diminue le pouvoir législatif que nous aurons. Parce que, prenez un exemple, vous êtes malien. Si en Afrique, comme c'est maintenant, je vous donne un exemple, le schéma clair. Il reste deux pays, deux régions qui n'ont pas été à la présidence. Maintenant, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont annulé une région pour présenter un seul candidat. Alors que depuis que le Parlement a été mis en place, tous les présidents ont été élus démocratiquement. J'ai été élu 2 fois. J'avais comme candidat l'Afrique australe au premier tour. Au deuxième tour, j'avais 2 candidats. Un candidat de l'Afrique du Nord et un candidat de l'Afrique du Sud. Les 2 candidats, je les avais battus au premier tour avec la majorité absolue. Ça voudrait dire qu'au poste de président, on n'avait pas besoin de rotation. On avait plutôt besoin de quelqu'un qui peut être reconnu par sa notoriété, par son expérience, par son savoir-faire pour diriger un parlement continental. Mais les gens de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, ont voulu prendre tout le monde en otage, dire rotation maintenant, alors qu'ils n'ont pas encore ratifié le protocole de Malabo. Vous avez parlé du droit positif. Vous savez bien qu'un protocole, s'il n'a pas encore été ratifié par les États membres, ne peut pas entrer en vigueur. Or, on a le protocole de Malabo. Jusqu'aujourd'hui, seulement 13 pays ont ratifié. Bon, comment on peut aller dans un protocole de 27 articles? On prend seulement un article parce que ça nous concerne pour les élections. Ce n'est pas honnête. Et même s'il venait à être ratifié aujourd'hui par les 28, il faut encore modifier le règlement intérieur parce que jusqu'à présent, nous utilisons l'article 15 du règlement intérieur qui avait permis de mettre le Parlement en place. Donc, je crois qu'il y a eu une désinformation, une mauvaise foi, parce que tous ces gens savent que
il y a un protocole qui est ratifié et c'est carrément impossible. C'est comme si vous allez en justice et on vous condamne sur un article qui n'a pas été voté par les députés. Ce n'est pas normal. Et voilà ce que les gens nous ont amené. Il y a eu donc des scènes de violence et vous avez bien vu que les gens voulaient prendre cette position par la force. Personne n'a convaincu. Et d'ailleurs, votre pays, le Mali, avait une candidate qui était bien placée parce que populaire. C'est aussi ça qu'on recherche. C'est l'intégration. Parce que lorsqu'on va faire les candidats par région, on ne pourra plus parler d'élection. Une région vous amène un candidat, même s'il est élu, mal élu, parce que c'est le candidat de la région, il est président. Ça aussi, on n'a pas besoin des candidats. Moi, j'ai toujours été élu après plus de la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Merci bien, Monsieur le Président, pour ces riches éclaircissements qui viennent nous révéler ce qui se passe réellement dans ce haut lieu de la politique, dans ce haut lieu de la diplomatie parlementaire également. Parlementaire, nous devons montrer le bel exemple, le bel exemple de l'acceptation de l'autre. Si on parle d'intégration aujourd'hui, alors que 275 personnes n'arrivent pas à s'entendre pour le poste de président, comment on va faire pour intégrer les 1 milliard 200 millions que contient notre continent? C'est là le problème de fond. Les gens ne doivent pas voir seulement qu'il y a eu discussion pour le poste de président. Le problème de fond, c'est comment les gens, les 275, n'arrivent pas à s'entendre pour l'essentiel. C'est dommage parce qu'ils ont voulu amener le problème sur le terrain francophone, anglophone. Moi, j'ai été élu 3 fois. Je suis francophone. Les anglophones m'ont bien voté. Donc, je crois qu'il y a eu un problème, une démarche qui n'était ni diplomatique ni politique. Aujourd'hui, le problème est en suspens. Il n'y a que les chefs d'État qui vont décider. Mais je doute fort bien que les chefs d'État vont encourager que nous puissions appliquer un protocole qui lui-même n'est pas encore entré en vigueur. Ça m'étonnerait. Effectivement. Merci bien, Monsieur le Président. Nous allons donner la parole à Monsieur Jude Chalereux Mbina. Monsieur Jude Chalereux Mbina, vous avez la parole. D'accord. Bonjour à tous et bonjour au président M. Roger Kododong. Et il faut avouer, bien bonjour. Sûr, que j'étais très impatient de cette rencontre parce que j'avais une très grande question pour moi et certainement une petite pour vous, vu que vous êtes expert sur la question. D'accord. Je vous écoute. Je suis un jeune chercheur analyste et doctorant en philosophie en Russie. Et je travaille actuellement sur la question du lobbyisme dans les institutions internationales africaines. Voilà. Et comme vous le savez, par exemple, le Parlement européen regorge le plus grand nombre de lobbyistes au monde avec, ils disent que c'est un chiffre de 20 000 lobbyistes au Parlement européen. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une présence avérée des lobbies ou des groupes d'intérêt au Parlement africain? Si oui, comment les parlementaires africains s'y prennent pour faire face à ce défi des lobbyistes, soit européens, asiatiques, des multinationales, etc. Est-ce que vous avez déjà fait face à des groupes de pression ou des groupes d'influence qui essayent de vous tordre savez, justement... Notre continent a engagé vers la marche vers la modernité de ces institutions. Nous n'avons pas, à proprement parler aujourd'hui des lobbyistes, nous n'avons pas encore fait face à des groupes de pression, mais je crois que le lobbyisme est très important pour un parlement. Je vous prends un exemple. J'avais conduit une délégation aux États-Unis, à Washington, pour aller négocier la levée des sanctions qui pesaient sur le Soudan depuis 1997. Rappel, comme vous êtes bon philosophe, le Soudan avait été mis sous sanction par le président Bill Clinton, disait que c'est les pays de l'axe du mal, les pays qui encourageaient le terrorisme. Et ces sanctions n'ont été levées qu'en 2017, suite à la délégation que j'ai conduite aux États-Unis. Et c'est là où j'ai eu l'importance des lobbies. Parce que pour arriver au Congrès américain, ce n'était pas une petite affaire. Il fallait étudier les lobbyistes et tout, pour nous prendre des rendez-vous. Pour aller au département d'État, c'était la même chose. Je crois qu'il faut que l'Afrique réussisse à se constituer les groupes de lobbying forts, qui peuvent aussi, à leur tour, permettre le cheminement ou
faciliter la marche des institutions africaines vers des autres institutions. Mais dans le cas d'espèce, nous n'en sommes pas encore là et je vous encourage, vous qui êtes dans ce, vous êtes dans le PEP de cette alliance en Afrique ou bien pour venir prêter vos groupes de pression négatifs, il faut que les affaires puissent décoller dans le sens de l'intérêt souhaité de tous les Africains. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons une question qui nous a été envoyée. Question à poser à Monsieur le Président. Merci à lui d'abord d'avoir accepté d'être là. Quels sont le sens, les objectifs et orientations de la diplomatie parlementaire? La diplomatie parlementaire, comme j'ai dit, est le soutien de la diplomatie des États. Sauf que celle-ci a l'avantage qu'elle s'adresse directement au peuple. Les parlementaires représentent les peuples. Donc, ça voudrait dire, comme je vous ai pris l'exemple du Soudan tout à l'heure, c'est grâce à la diplomatie parlementaire qu'on a réussi à enlever les sanctions économiques qui pesaient sur le Soudan. Parce que lorsque nous sommes allés aux États-Unis, nous, on est allés pour parler au nom des peuples du Soudan. Or, le Congrès américain refusait même de négocier avec l'État du Soudan. Nous, on a dit non, nous ne représenterons pas les gouvernements. Nous venons ici pour parler au nom des peuples du Soudan qui souffrent. Parce qu'effectivement, l'embargo qu'on avait imposé au Soudan a amené trop de pauvreté au Soudan. Les gens n'allaient pas à l'école, les gens mouraient de maladies. Et ces gens n'étaient rien d'autre que, n'avaient plus rien à faire que d'aller vers le terrorisme. Parce que psychologiquement, ils étaient mal soignés, ils n'étaient pas éduqués. Et nous avons parlé au nom de ces peuples qui souffraient de cet embargo. Et ils nous ont écoutés. Donc, je crois que ce que les États peuvent parfois ne pas obtenir, les parlementaires peuvent l'obtenir. Vous savez, aux États-Unis, le Congrès est très puissant. D'ailleurs, pendant ce séjour, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines m'avait dit, nous, en tant que gouvernement, nous pouvons décider de lever les sanctions, mais si le Congrès rejette, ça ne va pas aboutir. Allez donc négocier avec vos collègues du Congrès. Et c'est à l'issue de cette négociation que les sanctions ont été levées. C'est que le gouvernement soudanais n'arrivait pas à faire. Donc, je crois que la diplomatie parlementaire est une arme au service des États. Merci bien, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à l'ambassadeur Wake. Monsieur l'ambassadeur Wake, vous avez la parole. Oui, je vous remercie. Et je remercie le conférencier pour ses explications. On voit bien que c'est un homme averti, un homme qui connaît bien son métier. Et j'avoue que j'ai suivi avec intérêt tout ce qu'il a dit, toutes les réponses qu'il a données. Mais je ne sais pas, c'est peut-être... une ignorance de ma part. Je ne sais pas si le Togo est représenté dans ce Parlement, parce que je ne sais pas. Je voudrais juste avoir cette précision. Merci. Excellence, oui. Le Togo est parmi les pays fondateurs du Parlement panafricain. Le Togo est bien représenté au Parlement panafricain par 5 députés. Crois que je peux vous donner les noms. Peut-être que vous en connaîtrez d'autres. Je n'ai pas la liste, hein, moi, mais les anciens, il y avait Agbo, dernière session, les 5 députés togolais par Madame la questeure du Parlement du Togo. Donc, ils sont parmi les pays fondateurs du Parlement panafricain. Depuis 2004, le Togo est toujours au Parlement panafricain. Et c'est les pays qui font avancer parce que je crois qu'aujourd'hui, le Togo a déjà ratifié le protocole de... Merci pour les informations. Je crois que l'honorable Agbo, je le connais très bien. Et Madame le questeur, c'est une cousine à moi. Donc, c'est des gens que je connais. Je sais qu'ils vont en Afrique du Sud, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Voilà, c'est une belle occasion pour moi. Et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Vous reviendrez parce qu'on veut apprendre de vous. Oui, Monsieur le Président, j'ai fait le Cameroun, hein, j'ai fait l'IRIC. Ah, ben, je suis aussi un ancien de l'IRIC, on est donc des camarades, mais bien pas sûr. Des camarades de promotion. Vous êtes passé avant moi.
Oui, moi, je suis passé en 1985. Oui, je suis passé longtemps après vous. Et j'ai de très bons amis au Togo. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, monsieur, son excellence, monsieur Robert Dussé, c'est un grand ami à moi. On s'est connus justement lors de mes plaidoiries à l'Union africaine. Donc, je me ferai le devoir un jour en passant au Togo de saluer monsieur l'ambassadeur, qui est d'ailleurs un collègue diplomate et un camarade d'institution. Merci. Non, c'est avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci bien. Je vais laisser la parole au docteur Paul Kananoura. Président Paul Kananoura, vous avez la parole. Bien, merci, monsieur le président Kodo Dangeroger, pour votre brillante intervention, surtout vos explications qui nous éclairent sur l'aurore et l'aurore et le sens de la diplomatie parlementaire panafricaine, qui vient en soutien de la diplomatie des États, bien sûr, mais pour parler au nom du peuple, même avec des résultats qui sont probants et palpables. Vous avez cité l'exemple parfait du Soudan, qui vient de sortir d'une longue période de sanctions. J'étais parmi les premiers à être informé de l'arrivée des sanctions. Soudan. Oui, oui, pour le Soudan, c'est-à-dire comme l'Institut Mandela travaille avec les États et travaille surtout avec les ambassades à Paris, les décisions qui sont prises sont toutefois communiquées à nous. Et d'ailleurs, pour vous dire, l'Institut Mandela avait organisé les journées économiques conciliaires africaines à Marseille en 2016. J'étais invité, c'est, mon programme ne m'avait pas permis. Effectivement, oui, c'est ça. Et donc, il y avait un grand panneur dont le rôle de tête, c'était le premier ministre malgache. Mais ce que je voulais souligner ici, ce n'était pas la conférence, c'est qu'il y avait la directrice Africa Regional Service du département d'État africain, c'est un service du département d'État américain qui sont partenaires stratégiques de l'Institut Mandela. Je dis bien partenaires stratégiques et pas financiers parce que nous ne demandons pas ni de soutien. Enfin, jusqu'à présent, on n'a jamais demandé ni soutien public ou privé pour être tellement indépendant. Mais il y avait aussi, parmi les intervenants, il y avait aussi le secrétaire général du patronat soudanais. À l'époque, ils étaient sur les sanctions. La force de l'Institut Mandela, que les Américains n'ont jamais demandé, ce qui est des cas très rares, que le Soudan ne soit pas invité ou qu'il ne vienne pas. Mais c'est par après que j'ai compris qu'il y avait des négociations en cours. C'est ça. Donc, ça permettait aussi de mettre notre modeste contribution dans cette dynamique. Donc, à ce moment-là, c'est là où j'ai été informé, que ce soit par les États-Unis, que ce soit par le Soudan, qu'il y a des négociations en cours. On était en train de faire la diplomatie de couloir. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'étais bien informé sur ces questions à cette date de 2016. Et une année avant l'arrivée des sanctions, l'ambassade m'avait informé. Oui, oui, ce sont des sanctions. L'ambassade m'avait dit tout est OK, donc il reste juste des modalités. Donc, le président Obama avait donné son accord pour l'arrivée des sanctions. Il y avait juste quelques modalités techniques, tout simplement. Il a signé ça le 12 avant qu'il ne passe avant qu'il ne passe le témoin au président Trump. C'est exactement ce qui s'était passé. Il a signé 8 jours avant son départ, oui, effectivement. Donc, j'étais très bien informé du processus. Et donc, je tiens à vous remercier de l'action que vous avez menée avec les parlementaires africains sur ces questions que je connais très bien.
Mais je vous remercie aussi en qualité de partenaire de ce forum. Merci beaucoup. De votre présence et surtout que votre agenda est très surchargé. Et comme vous êtes actuellement au pays, et je pense que notre diplomate aura la charge de vous rencontrer et de vous transmettre toutes vos amitiés. Et peut-être nos projets en même temps, parce que je me souviens que vous m'avez reçu à Paris à l'époque. C'était 2016, effectivement, ça date de l'autre. C'était en 2015. Et je vous... 2015, 2016. En 2015, oui, c'est ça. Ouais. Oui, 2015 plutôt, 2015. Donc ça, ouais, c'était en ça 2015. Commence à dater. Ouais. Je me souviens. Ça sera bientôt se revoir. Ça me fera plaisir de vous revoir. Non, on va renouveler. Maintenant, je vais me mettre à la disposition des institutions comme la vôtre, comme celle de mon jeune frère, pour essayer de dynamiser, d'apporter une petite contribution de ce que je connais pour qu'on puisse avancer. Parce que les initiatives bienheureuses que vous prenez, c'est pour le continent africain. Or, aujourd'hui, nous devons tout faire. Le continent ne doit plus être laissé à la traîne. Nous devons tout faire pour soutenir notre continent avec des hommes éclairés comme vous, et qui ne reçoivent pas, comme vous avez dit. Parce que le problème que nous avons eu justement aux États-Unis, vous me suivez, le problème que nous avons eu aux États-Unis, c'est que le think tank qui avait été organisé, était les acteurs, les activistes soudanais étaient financés. Pour ne montrer que, pour ne peindre que l'Afrique en noir. Et ça, ce n'est pas bien. Le tout, ce n'est pas de peindre le continent en noir. Le tout, c'est d'amener le continent à se respecter et à respecter les institutions qu'ils ont mis en place, que les pays ont mis en place, et puis à avancer dans l'intérêt des peuples africains. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des puissants États, mais des institutions fortes, qui sont animés avec des hommes et des femmes capables, soucieux du devenir et de la jeunesse africaine et du continent africain. Voilà pourquoi je trouve que vos instituts-là doivent jouer un rôle très important dans le développement de l'Afrique. Merci, Monsieur le Président. C'est notre rôle et nous travaillons avec les États, surtout sur les questions de sécurité, parce que dès le départ, c'est pour cela que nous avons choisi ce mode d'indépendance, parce que les questions de sécurité, quand on a commencé 2014, 2013, 2014, c'était en Afrique, c'était le monopole du chef de l'État. Et en Occident, bon, on nous tolérait pour en parler, mais si vous allez demander une subvention, on va vous dire non, ça c'est très compliqué, vous allez dans le domaine culturel. Comme on ne voulait pas, parce qu'on voyait que la question sécuritaire est un problème très sérieux et qu'on voulait sensibiliser les pouvoirs publics, le peuple, donc amener la sécurité dans le débat public, surtout à travers la société civile, à travers effectivement les pouvoirs publics, de prendre le bras au corps cette question en disant, comme Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement et non l'inverse. On peut parler de l'émergence de l'Afrique. Absolument. On peut parler de l'émergence. Pas se développer s'il n'y a pas la sécurité. Il n'y a aucun développement sans sécurité. Sans sécurité, on ne peut pas parler de l'émergence de l'Afrique. Dans l'état actuel, vous savez, la situation de l'Afrique est identique. En Afrique de l'Ouest, vous avez le djihadisme dans le dans l'Afrique centrale, vous avez les Boko Haram. Donc, on peut dire que tout le continent africain aujourd'hui, hein, vous savez ce qui se passe en Éthiopie aujourd'hui, c'est des pays qu'on voyait déjà, des pays courir vers l'émergence, mais je ne pense pas que la situation sociale et sécuritaire aujourd'hui va permettre que ces pays continuent à évoluer. Bon, l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont plombés par le djihadisme. Donc c'est aussi très difficile qu'on parle de développement. L'Afrique centrale avec Boko Haram, et les guerres intestines des pays de l'Afrique centrale ne permettent pas aujourd'hui à ces pays de se pencher véritablement vers le développement, puisque
la quasi-totalité des recettes des États va directement dans l'achat des armes pour les questions de sécurité. Moi, je crois que si on peut continuer à sensibiliser tous les acteurs, ne sensibilisons pas seulement les États, sensibilisons tous les acteurs qui concourent au désordre dans le continent africain. Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est les États qui font mal. Moi, je dirais non. Ceux qui animent les forces du mal font plus mal que les États. Et effectivement, monsieur le Président, c'est notre combat d'amener la sécurité dans le débat public. Et nous y avons réussi parce qu'au départ, quand on commençait à Paris, il y avait à peu près une vingtaine d'ambassades participantes et les ambassades africaines étaient 3 ou 4. Maintenant, nous avons l'équivalent et puis nous avons amené les pouvoirs publics à s'exprimer dans ces forums de sécurité. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que quand nous faisons des conférences, maintenant, on nous demande les conclusions. On nous demande les conclusions parce que... On nous demande les conclusions parfois pour les appliquer ou pour essayer d'avoir une vision de la sécurité. Et quand on a commencé, d'ailleurs, l'Afrique allait bien. Aujourd'hui, elle va mal. Parce que il y avait l'Afrique australe. Pour apporter ça dans les contributions. C'est ça. Il y avait l'Afrique australe qui n'était pas concernée. Maintenant, il y a la Cabo Delgado. Cabo Delgado, il y a le Mozambique. Mozambique, maintenant, qui est un peu plus compliqué. Mozambique. Il y a aussi la Beni. L'Eswatini. Donc, ces questions. Maintenant, l'Afrique, comme je l'ai fait dans l'interview dans un journal du Maroc dernièrement, l'Afrique va vers la somarisation. Parce que nous avons des axes terroristes qui s'échangent. Des combattants et qu'il faut des nomazlands, c'est-à-dire l'État islamique en Libye avec Boko Haram, donc qui coupe l'Afrique en deux, et l'État islamique avec Hakimi en Afrique de l'Ouest de la Mauritanie, qui communique avec Boko Haram, qui coupe l'Afrique en deux, au nord-sud et l'est-ouest. Donc ça fait, nous avons des axes terroristes qui coupent l'Afrique en 4 morceaux. Hein? Avec le Mozambique maintenant qui s'ajoute. Avec aussi à l'est vers l'Égypte, le Sinaï, nous allons vers la somarisation de l'Afrique si nous ne faisons pas attention. C'est ça le message maintenant que nous faisons passer ces derniers temps, depuis au moins 2 mois. Merci, monsieur le Président, d'être porte-parole de ce message. C'est bon. Merci. D'accord, je vous remercie. Je pense que nous devons tous joindre nos forces pour lutter contre l'insécurité en Afrique, faute de quoi le continent va stagner. Et comme tu dis, l'Afrique est en train de se balkaniser par les forces du mal. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous prenez l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, qu'on pensait que c'était difficile, la Somalie est en plein dedans, les troubles qui sont maintenant en cours au royaume des Swatini montrent très bien que le continent est déjà touché du nord au sud, de l'est à l'ouest, et tout ça, ça devient un problème. Même l'Afrique centrale. Merci bien. Je vais très humblement donner la parole au professeur Mohamed Arakat en attendant de donner la parole à M. Ismaël qui l'a sollicité. Professeur Arakat, vous avez la parole. Merci. Oui, merci M. le Président. Je n'ai pas des choses nouvelles à ajouter. J'ai apprécié beaucoup le débat. Un débat de projet sur l'Afrique et sur la diplomatie, sur la pratique diplomatique en Afrique. Et en même temps, j'ai bien apprécié également la franchise, l'objectivité et les idées avancées par mon collègue Dr. Paul Kanunera, qui a posé la problématique de cette diplomatie africaine à l'échelon continental. Et j'ai apprécié également l'objectif de M. le Président, avec laquelle il a traité certaines contraintes diplomatiques, certaines pratiques pragmatiques sur le fonctionnement de la diplomatie économique, surtout dans ses dimensions, comme je l'ai dit, pragmatiques. Et c'est pour cela que je félicite les organisateurs de ce forum international, ce forum continental, qui est en train de,
d'avancer de nouvelles idées sur l'avenir de la diplomatie économique et les perspectives, les enjeux, et en même temps qui permet également aux jeunes diplomates d'apprendre davantage parce qu'on est en train de développer une nouvelle culture, de nouvelles pratiques de débat, d'échange des idées, et ça c'est important. Et je pense que, et surtout, moi, ce que j'ai une remarque, Monsieur le Président, c'est que la majorité de nos diplomates, de nos responsables africains, n'écrivent pas leurs mémoires. Parce que c'est ça, monsieur le professeur, c'est très important. Oui. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité, cher Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, parce que vraiment, les diplomates africains n'écrivent pas leurs mémoires. Et à côté, j'ai une série de mémoires d'Européens qui rédigent leurs mémoires et qui ont une capacité de tout dater, de tout écrire. L'échec, la réussite, les éléments, c'est-à-dire qui ont marqué leur vie en tant que diplomate. Ça, c'est important. Parce que pourquoi j'insiste sur l'écriture des mémoires? Parce que c'est une manière d'échanger et de partager également aux jeunes diplomates cette expérience vécue. Ça, c'est important. Et surtout que l'économie du savoir, dans tous les pays du monde, il est basé sur le partage. Parce qu'il y a deux sources de l'économie du savoir. Il y a l'économie du savoir qui est codifiée, qui est écrit dans les livres et dans les rapports, dans les mémoires, comme je l'ai dit. C'est ce qu'on appelle l'économie du savoir codifiée. Et il y a une deuxième économie du savoir, une deuxième connaissance d'économie du savoir qui n'est pas écrite, c'est-à-dire qui existe dans les mémoires des Africains. Et c'est pour cela, je me rappelle, c'était M. Ba qui a dit dans les années 1968 à l'UNESCO à Paris, il a dit lorsqu'un Africain est mort, lorsqu'un vieux Africain, pour le dire, est mort, non, c'est une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est une librairie qui brûle. Parce que la majorité des responsables diplomatiques, pour généraliser, hein, peut-être les hommes d'État, peut-être les diplomates, les consuls, hein, et peut-être ça peut être expliqué par la nature même des responsabilités. Pour les consuls et les diplomates, généralement, ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc, ils ont peur. Si jamais ils diffusent des choses, ils peuvent être, ça touche la réserve, vous voyez. Et c'est pour cela, moi, je me demande parfois, est-ce qu'un fonctionnaire peut être responsable à l'échelle mondiale pour assurer une mission diplomatique? Et c'est pour cela que certains pays accordent à des gens qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais des chercheurs, des hommes qui peuvent prendre des décisions parfois. Parce que lorsqu'on est lié par la réserve administrative, hein, c'est un peu difficile, la mission, ça devient difficile. Et il faut téléphoner à la capitale pour dire qu'est-ce que je dois prendre comme mission. Et j'ai oublié, Dr Paul, hier, lorsqu'on a parlé de renforcement des capacités des diplomates africains, j'ai oublié de parler c'est que le diplomate, avant d'être accrédité, c'est un terme diplomatique, accrédité pour ne pas dire nommé, donc il est appelé à présenter un rapport, un projet qui peut être bien sûr présenté devant des fonctionnaires et en même temps devant des universitaires, des chercheurs de la société civile, pour voir est-ce que le diplomate africain, hein, il a une vision claire du travail diplomatique. Est-ce qu'il peut apporter quelques valeurs ajoutées? Il peut discuter, voilà mon projet dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà ma vision diplomatique, voilà qu'est-ce que je peux faire, voilà qu'est-ce que je ne peux pas faire. Hein? Et comme ça, le diplomate, il a une carte de travail, une vision, et comme ça, il peut prendre la responsabilité pour dire pourquoi, parce que maintenant, et j'ajoute également que le diplomate d'aujourd'hui, il est appelé à avoir une formation pluridisciplinaire, parce que le diplomate d'hier, exactement, c'est pas le diplomate d'aujourd'hui.
Le diplomate d'hier, c'est quelqu'un qui assiste à des cérémonies officielles, qui fait une série de protocoles. Qui Mais les fonctions de représentation, oui, les fonctions de représentation uniquement. Oui, voilà. Donc, mais maintenant, je vois qu'il doit prendre, qu'il doit chercher des projets, qu'il doit négocier des projets en situation de force. Parce que nous, les Africains, C'est ça. lorsqu'on est dans une organisation internationale en train de négocier, il y a un complexe d'infériorité. Dommage. D'infériorité, toujours, toujours on est en complexe d'infériorité. C'est On vrai, il faut négocie le dire. toujours en position de faiblesse. C'est exact. Il faut le dire. Et lorsque, d'ailleurs, tous les pays tiers-mondistes, il faut le dire, hein, la diplomatie arabe, la diplomatie africaine, la diplomatie de l'Amérique latine, on a ce complexe par rapport aux colonisateurs, au centre européen, au centre américain, parce que pour eux, on sent qu'ils ont plus de moyens, plus d'intelligence, plus de facilité, plus d'autres choses, hein. Et nous, lorsqu'on négocie, on est un petit peu bloqué. Il y a un blocage mental, psychologique, et qui ne mène pas au bout, la mission du diplomate d'avenir. C'est pour cela que le diplomate d'avenir doit avoir ce statut, c'est-à-dire d'être décomplexé dans ses missions. Maîtrisé hier, Monsieur le Premier ministre, peut-être qu'il n'a pas compris ma docteur Paul hier. On a discuté la langue. On a discuté la langue parce que c'est la langue qui constitue le moyen de communication. Et la communication, elle est la base du travail diplomatique. Lorsqu'un diplomate africain maîtrise une langue, par exemple l'anglais, le chinois, l'arabe, le français, l'espagnol, et il maîtrise bien la langue. Et dans ce cas, il est bien écouté. Il est bien écouté. Mais lorsqu'il ne maîtrise pas la langue de l'autre, il ne peut pas communiquer, parce que tout est communication. Et je vais vous donner un exemple. J'ai vu que pour la majorité pour ne pas dire pour tous les diplomates chinois, russes, lorsqu'ils sont accrédités dans un pays arabe, ils maîtrisent la langue arabe. Et ça, c'est important. Et tous les diplomates russes, chinois qui sont affectés à Rabat, hein, par exemple, au Caire, à l'Égypte, dans tous les pays du monde arabe. Ils viennent avec une langue, c'est l'arabe. Et parfois même, on trouve des diplomates qui sont les diplomates locaux, ils ne maîtrisent pas l'arabe. C'est paradoxal. Et pourquoi? Parce qu'il faut développer la langue. Et maintenant, la langue qu'il faut développer dans les pays africains, c'est le chinois. C'est-à-dire que le chinois mérite d'être enseigné dans les instituts diplomatiques et en même temps dans le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que maintenant la Chine devient le premier partenaire de l'Afrique. Il investit Stratégique et économique. et Stratégique et économique de l'Afrique. stratégique. Voilà, merci. Et en même temps à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, c'est pas seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale, la Chine, mais bien sûr, les Chinois maintenant, ils maîtrisent la langue anglaise, mais on est appelé à parler leur langue pour qu'on arrive à communiquer mieux. Vous voyez, c'est-à-dire que le diplomate d'avenir, il a tout un ensemble d'idées et en même temps de projets à maîtriser. D'abord, la formation, le renforcement des capacités stratégiques, institutionnelles, d'ordre humain, psychologique aussi, comment développer des capacités psychologiques, c'est le diplomate, pour qu'il sente, une fois qu'il est à l'échelle internationale, parler avec courage, pour lever la tête, pour ne pas avoir un complexe d'infériorité par rapport à l'Européen, par rapport aux Blancs, par rapport au centre. Parce que lorsqu'il a cette capacité de parler en force, il peut bien sûr gagner beaucoup de points sur le plan de la négociation, sur le plan de la connaissance. Et pour cela, il faut remplir d'autres conditions. D'abord, de motiver le diplomate par la formation, par la liberté d'expression, par la communication, et en même temps par le projet qui doit être clair. Et d'ailleurs, hier, on a discuté qu'une diplomatie économique ne vaut que par la réussite de la gouvernance nationale. D'ailleurs, Monsieur le Président du laboratoire de recherche, il était présent hier et on a discuté que une diplomatie ne vaut que par la réussite de la politique intérieure. Et le reste n'est que littérature. C'est-à-dire qu'il faut que la gouvernance nationale marche.
marche au niveau de l'entente, au niveau des projets. Et j'ai deux, si vous permettez, Monsieur le Président, j'ajoute deux idées. La première, c'est qu'une diplomatie économique doit avoir un but. C'est de l'amélioration de la situation économique du pays, c'est-à-dire de réaliser de la lutte contre la pauvreté, la réalisation de lutter contre également le chômage des jeunes, et d'avoir un projet de société qui émane. Sinon, notre diplomatie ne devient qu'un luxe coûteux pour les pays africains. Donc, une diplomatie, il faut qu'il dispose d'un but clair, un projet de société pour lutter contre le sous-développement, pour chercher des opportunités d'industrialisation de l'Afrique. On a parlé hier de l'industrie, parce qu'on ne peut pas parler des techniques d'information, des GAFAM, de la domination technologique si on n'arrive pas à avoir une industrie économique, une industrie bien sûr. Une industrie de pointe de transformation de nos matières. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Pierre Première localement. Si on ne réussit pas à avoir ça, ça serait bien. Le voilà. But étant de sortir les pays de la pauvreté. C'est exact. Si nous continuons à vendre nos matières premières brutes, si l'Afrique continue à être le comptoir des matières premières, ça sera très difficile pour le développement. Et puis, l'insécurité agissante de nos jours, c'est dû à la pauvreté aussi. Hein. Il faut le souligner. Hein. Oui. Quand les gens, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de quoi manger. Les gens, quelqu'un à qui tu vas proposer 5 000 d'aller déposer une bombe, qui est resté affamé toute la journée, il va le faire aisément. Donc, je crois que, professeur, ce que vous dites, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. L'Afrique a besoin de l'industrialisation. Or, en 2015, je conduisais une délégation à la conférence des partis à Paris où on parlait du problème d'électrification de l'Afrique, une industrie. Donc, il faut d'abord régler ce préalable. Et puis, le transfert véritable des technologies du nord au sud. Or, le Nord ne soutient son industrie qu'avec les produits venant du Sud. Là, ça pose un problème. Il faut briser cette barrière pour que les matériaux, pour que nous puissions transformer notre cacao et que nous puissions le consommer, que nous puissions cultiver le riz. Parce que les dépenses pour l'importation des denrées alimentaires dans nos pays sont énormes parce que notre agriculture n'est pas encore une agriculture de pointe. Nous remercions, Monsieur le Président, pour ces éclaircissements de valeur. Moi, je termine par une autre idée que je considère également importante, à savoir la doctrine. D'ailleurs, Dr Paul, hier, on a discuté dans quelle mesure l'Union africaine doit avoir une voix à l'échelon mondial. Parce que j'ai défendu hier la nécessité d'avoir une doctrine, un corpus théorique pour défendre toutes ces idées-là qu'on est en train de développer. Il y a moins d'écrits sur la diplomatie économique. Moi, j'ai une recommandation, Dr Paul, pour les actes d'écologue, et je m'adresse au directeur de laboratoire, de publier les recommandations du forum, parce que maintenant, il y a un déficit au niveau de la... Parce qu'il faut que l'Afrique dispose d'une voix pour passer, comme l'a dit mon collègue il y a un moment, d'avoir une voix et de développer également les structures de l'Union africaine pour parler et pour avoir une représentativité à l'échelle mondiale au niveau des Nations Unies, de négocier des projets avec force et en même temps avec conviction et avec savoir, c'est-à-dire avec une connaissance. Et parfois, et d'ailleurs j'ai parlé hier et Monsieur le Premier ministre, il m'a dit que c'était l'heure, c'est difficile d'avoir une doctrine africaine. Moi, je défends une voie, je défends une volonté de travailler avec les autres, de convaincre les autres pour que l'Afrique avance et en même temps pour que l'Afrique soit bien écoutée. Et je peux vous donner un exemple, les travaux maintenant, les projets de coopération entre France et l'Afrique, ils sont dominés par des dépenses de la défense, plus que des dépenses de coopération. 60% de l'aide française accordée aux pays africains, il est marqué par les frais de défense. Il y a moins de coopération dans l'industrie, dans l'infrastructure, dans la recherche scientifique, l'industrialisation. C'est pour cela qu'il faut avoir des priorités.
Et je peux vous dire maintenant que ces dépenses de défense et des dépenses même de lutte contre le terrorisme, si on arrive à avoir une répartition des richesses, une gouvernance démocratique au niveau de l'Afrique, donc on n'aura pas besoin des dépenses de pour lutter contre le terrorisme. Parce que la question, il est plus démocratique qu'autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'il faut développer une économie pour lutter contre la marginalisation. Moi, je vois par exemple que 700 millions d'habitants en Afrique n'ont pas ne sont pas branchés à l'électricité. Et il y a 60% des Africains du monde rural qui n'ont pas ne sont pas branchés à l'eau et à l'électricité. Vous voyez, c'est important parce que si on lutte contre le sous-développement économique et social, la pauvreté, on peut lutter directement ou par ricochet au terrorisme. Parce que le terrorisme, il provient généralement de la pauvreté et de la marginalisation. La marginalisation économique, la marginalisation politique, la marginalisation psychologique, sociale, raciale. Et ça crée un climat de terrorisme, bien sûr. C'est normal. Parce que le problème, c'est un problème de partage de la richesse. Et lorsque la richesse n'est pas bien répartie, il y a un risque de terrorisme. Et un risque de révolution, un risque de coup d'État, un risque de règlement de compte. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour moi, il faut que le diplomate arrive à convaincre l'autre que le problème de l'instabilité, c'est un problème institutionnel, politique, démocratique, et qu'il faut défendre des projets concrets au service de la population marginalisée. Et d'où l'importance d'avoir des diplomates qui ont cette vision pluridisciplinaire, comme je l'ai dit il y a un moment, et qui peuvent tracer et peuvent avoir des priorités géostratégiques et une connaissance des grands problèmes psychologiques de l'Afrique. Parce qu'il y a un problème psychologique, il y a un problème de communication, un problème d'ordre humain, un problème culturel. Plus qu'un problème classique, mais un problème, il y a des priorités qu'il faut les tracer, il faut les vulgariser, il faut bien sûr les mettre en œuvre pour que l'Afrique avance à l'échelon continental, à l'échelon local et à l'échelon mondial, et surtout avec les projets de coopération avec les autres, avec l'Asie, la Chine, l'Europe, l'Amérique. Il faut vulgariser davantage ces principes de la diplomatie économique selon une nouvelle vision de partage, de vulgarisation, de communication avec l'Occident. Il faut montrer à l'Occident que le continent, il est riche, qu'il est riche, qu'il n'est pas pauvre. Et puisqu'il est riche, il a besoin des partenaires qui défendent cette richesse, qui ne l'exploitent pas, qui l'investissent au service des deux parties, gagnant-gagnant. Au service de l'humanité, au service de la population africaine. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, qui m'a posé qui m'a invité à parler. Et merci beaucoup. Et toutes mes félicitations pour la franchise avec laquelle nos collègues, nos amis, nos frères africains, ils ont débattu la diplomatie. Voilà, donc je pense que ces forums, ils ont réalisé beaucoup de progrès. Ils connaissent une réussite. Parce qu'on est en train de parler avec franchise et avec réalisme et avec optimisme d'avenir et une croyance à nos valeurs, à nos rêves, nos rêves africains. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Professeur, avant de partir, je voulais vous dire deux mots, tout simplement. Le premier mot, lorsque vous avez parlé des diplomates qui n'écrivent pas, je te dis que tous ces fonctionnaires sont sous le coup du secret d'État. Ils ne pourront pas délibérément d'eux-mêmes relater ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Deuxièmement, le Parlement panafricain a pour le slogan « Une Afrique, une voix ». C'est la recherche, c'est le rôle du Parlement. Nous devons amener les peuples africains à parler d'une seule et même voix. Mais vous allez remarquer que lorsque nous allons dans les négociations internationales, au lieu qu'on négocie au nom de l'Afrique, chaque pays va négocier. Et ces négociations fragmentées, sursaussonnées, font qu'à la fin de la négociation, l'Afrique ne s'en tire avec rien.
Enfin, quant au développement économique et industriel, je suis d'avis avec vous. L'Afrique, nous devons négocier. Nous, on a tous les potentiels aujourd'hui. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On a beau le dire, l'Afrique, c'est le continent jeune dont nous avons une population très jeune qui peut servir les Occidentaux. Vous voyez comment ils sont tous dans les maisons de retraite. Les familles n'ont pas eu le temps de se reproduire et toute la jeunesse africaine. Mais évitons de faire ce que nous avons fait du moment de l'esclavage, où nos forces les plus robustes sont allées pour faire les plantations. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, le président français à l'époque disait une migration choisie, il avait besoin des têtes bien pleines pour aller travailler, des bons médecins et tout et tout. Pendant ce temps, les Africains vont continuer à mourir. Je vous dis en dernier ressort, j'ai assisté au sommet des non-alignés en 2019 à Bakou, en Azerbaïdjan. J'ai tenu le même langage. Et ce que vous avez, la remarque que vous avez faite, elle est pertinente. Les Africains négocient toujours en position de faiblesse. Le langage est toujours comme si d'aucuns ont peur des représailles de l'Occident. Et par conséquent, on ne peut pas avancer. Le langage que nous tenons aujourd'hui, c'est dommage parce que nous le tenons 60 ans après les indépendances et nous sommes encore là à explorer qu'est-ce qui est bien pour notre continent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que 60... c'est déjà, nous sommes moi, je suis à ce près de flexion, commence. Quand moi je vais mourir, a le mérite de commencer très haut, de commencer très tôt. Peut-être eux, ils vont faire ce que nous, nous n'avons pas pu faire parce que inévitablement, nous allons mourir. Donc, je crois, professeur, je suis de votre avis, nous devons écrire, mais il faut aussi reconnaître que ceux-là qui sont chargés d'écrire sont sous le coup du secret d'État des pays qui les ont accrédités aux pays des pays amis. Voilà ce que je voulais dire pour partager votre réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette précision de valeur. Et vous avez parlé de que l'Afrique doit parler d'avoir une voix. Je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a moins de vulgarisation de la diplomatie économique à l'échelle continentale. J'ai fait une recherche, une modeste recherche, et j'ai trouvé qu'il y a moins de qu'il n'y a pas d'écrit sur la diplomatie économique au niveau africain. Parce que l'officiel, parfois, parce que vous savez que la diplomatie, ça relève du chef d'État. Et c'est le chef d'État, les chefs d'État africains qui doivent développer une vision, etc. Et j'ai beau chercher, et j'ai trouvé, parler de l'Afrique, il faut avoir une doctrine théorique. Si vous vous rappelez, il y a l'ancien Premier ministre turc, Ahmed Orlo, lorsqu'il a parlé de la profondeur stratégique de la Turquie. Et maintenant, la Turquie constitue un modèle également d'investissement en Afrique. Et j'ai écrit ce livre-là que je voudrais vous le proposer, de le consulter et en même temps de me faire des remarques. J'ai écrit un ouvrage sur la nouvelle diplomatie économique en Afrique et paradigme et modèle. Et d'ailleurs, on a écrit, moi et mon ami Dr Paul, d'autres travaux sur la diplomatie économique et on a montré qu'il faut développer un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, parce qu'on ne peut pas parler d'une voix africaine si on n'a pas... J'ai constaté qu'il y a deux éléments qui méritent, à mon sens, qui peuvent développer la diplomatie économique. D'abord, il y a le CAFRAD. Il y a le CAFRAD de l'Union africaine. C'est un centre de formation et de recherche qui est installé chez nous au Maroc, à Tanger, et qui est en train d'être institutionnalisé au niveau de la gouvernance administrative, parce qu'on a besoin également de la gouvernance financière administrative. Et la gouvernance, une bonne gouvernance administrative, c'est un pilier de l'amélioration, de renforcement de la gouvernance diplomatique. Et en même temps, j'ai défendu dans ce livre comment développer une diplomatie africaine, c'est-à-dire à travers les différents modèles de diplomatie, parce qu'il y a des instituts, des établissements asiatiques, arabes, européens, américains, chinois, et il faut avoir développé la formation chez les diplomates africains et surtout de focaliser l'attention sur les nouveaux paradigmes de renforcement des capacités et surtout d'évaluer les expériences et les projets. Et c'est difficile d'ailleurs, Monsieur Nkodo, il a raison. C'est-à-dire que les pays négocient d'une manière bilatérale entre eux,
ils ne font pas de négociations à l'échelon continental. Et la Chine, vous avez raison, cher ami, et la Chine le fait même avec l'Europe, parce que vous savez que maintenant l'Union européenne, il a beaucoup de difficultés hein, pour avoir une vision unique, soit par rapport à l'échelon mondial ou bien par rapport à l'Afrique. Et voilà ce que fait la Chine. Lorsqu'il rentre pour la négociation, surtout au niveau maritime, il négocie avec chaque pays à part. C'est-à-dire, il a négocié durant le Covid-19 avec la Grèce, avec, il y a des pays européens qui négocient d'une manière bilatérale avec la Chine. À l'exception de l'Espagne, il a refusé lorsqu'il a voulu faire un contrat d'exploitation des ports. Il a dit qu'il faut passer pour les grands projets, il faut passer par l'Union européenne. Je ne peux pas négocier. Et c'est pour cela que l'Union africaine aussi doit intervenir, ses commissions, son parlement. Lorsqu'il s'agit d'une négociation à l'échelle mondiale, il faut que l'Union africaine intervienne pour fixer des règles de travail, pour montrer qu'il faut passer par l'Union africaine, qui est l'institution officielle des pays africains. Mais ça ne peut jouer que lorsqu'on dispose d'une doctrine, d'un corpus théorique qui explique ces choses-là. Parce qu'il y a moins de travaux de recherche chez nous, les Africains. On n'a pas exploité ces nouveaux paradigmes que j'ai essayé dans ce modeste travail de développer les soubassements pragmatiques, les expériences internationales. Et en même temps, j'ai développé, j'ai essayé d'évaluer les forces et les faiblesses de la diplomatie économique africaine. Surtout que maintenant, il est question d'avoir des politiques publiques locales et continentales. Et c'est pour cela qu'il faut développer, à mon sens, ce qu'on appelle les études d'impact. Qu'est-ce qu'a changé une politique diplomatique, soit à l'échelon africain, ou bien soit à l'échelon national, ou à l'échelon continental. C'est-à-dire ses forces, ses faiblesses, ce qu'il a réalisé, les accomplissements, et en même temps d'informer la population. Parce que la question, c'est comment passer, dans quelle mesure on peut parler d'une certaine convergence entre une diplomatie des gouvernements et une diplomatie de la population, du peuple. Ça, c'est important. C'est la grande question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Ce que j'ai développé dans ce modèle. J'aurai l'occasion de savourer votre livre. Oui, et c'est l'occasion de discuter beaucoup, également. Parce que la diplomatie économique, comme vous le savez, il a ses règles, ses conventions, ses règles. Donc, et ses normes, je voudrais dire. Donc, soit les chefs d'État, les gouvernements, parfois les diplomates qui discutent ça. Et ils n'arrivent pas à être vulgarisés au niveau de la population. Et c'est pour cela, moi, d'ailleurs, mes chers collègues, ils ont mes coordonnées. Ça me fait un grand plaisir qu'on discute également ce livre et on le lit, on le discute et on est prêt à le présenter pour les diplomates pour qu'ils soient à leur disposition en même temps, pour qu'ils soient discutés, critiqués et évalués. Voilà, donc je voudrais dire merci beaucoup, Monsieur le Président, pour Monsieur Mulcodo, pour ces éclaircissements de haut niveau que j'apprécie beaucoup. Et merci beaucoup à tous les intervenants parce qu'ils ont apporté des choses nouvelles et ils ont parlé, comme je l'ai dit, d'une manière franche et d'une manière scientifique, claire, sans détour. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Merci, professeur. Merci bien, Monsieur le Président Kododan. Je crois que nous avons tous été enrichis. Personne ne souhaitant prendre la parole, je vais très humblement demander au président Roger Kododan de nous allons entrer dans la dernière phase, c'est-à-dire la phase de conseil aux jeunes. Et je me permets de remercier infiniment le président Kododan, comme je le disais à l'entame de mes propos au début. C'est un homme très ouvert, un homme qui est très généreux également et qui se bat pour la jeunesse. C'est un homme qui a beaucoup donné, qui continue de beaucoup donner pour la jeunesse. Aux premières heures de l'idée, je dis même aux premières heures de l'idée du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, le président Roger Kododan a été l'un des pionniers qui nous a encouragés à accélérer et à mettre ce processus. Donc, nous lui avons demandé de bien vouloir être le parrain et membre du conseil d'orientation de cette initiative, ce qu'il a accepté pour manifester une fois encore son attachement à la cause de la jeunesse.
Monsieur le Président Roger Kodo, donc, merci encore pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Merci et que Dieu vous donne longue vie. Je vous laisse la parole pour vos conseils à l'endroit des jeunes diplomates africains et assimilés. Oui, par rapport à ce que vous avez eu en mettant l'initiative des jeunes diplomates africains en place, ce qui manque à l'Afrique, c'est les initiatives et puis les soutenir pour aboutir à quelque chose. Donc, vous êtes un garçon très valeureux et l'initiative que vous avez prise est bien heureuse pour le continent africain. Il faut donc que beaucoup de jeunes adhèrent, contribuant avec des conseils comme vous avez demandé. Le débat d'aujourd'hui, je peux retenir deux points majeurs. Notre continent a besoin d'une diplomatie économique forte. Et pour le mener, il faut une dynamique nouvelle à la diplomatie des États. Il faut une bonne diplomatie parlementaire qui connaît, parce que les parlementaires sont ceux-là qui connaissent les réalités de terrain. Également, il faut dire une chose qui est vraie, l'Afrique ne doit plus continuer à négocier en position de faiblesse. Nous avons toutes les potentialités et c'est votre rôle de diffuser les travaux que nous faisons pour qu'ils démontrent aujourd'hui qu'une Afrique unie est une force dominante pour le monde entier. L'expérience a déjà prouvé que lorsque l'Union africaine parle d'une seule et même voix, on a gagné des élections au niveau international. Le docteur Tedros, l'Égyptien qui est maintenant à la tête de l'OMS, c'est parce que l'Afrique était partie à cette élection comme un seul homme. Et on a pu gagner. La directrice de l'ONU-SIDA, c'est aussi parce que l'Afrique unie a pu parler d'une même et seule voix. Donc je pense que pour ma part, il faut qu'on multiplie les échanges. On va vous accompagner, je suis disposé à vous accompagner. Maintenant que je suis beaucoup plus libre, je vais vous accompagner. Et à chaque fois que vous me sollicitez, vous allez me solliciter, je ne ferai que me mettre à votre disposition pour partager avec les jeunes l'expérience que j'ai vécue. J'ai quand même, comme je l'ai dit, j'ai connu une ascension fulgurante dans mon domaine. J'ai été élu député pendant 4 mandats, ça fait 20 ans. Et diriger le Parlement continental pendant 15 ans, c'est quand même une bonne expérience qui est bien à mettre à la disposition de la jeunesse. Donc, je te félicite. Je salue la forte présence de tous les intervenants qui ont à cœur le problème du développement de notre continent. Nous avons besoin d'une Afrique développée, mais aussi sans la sécurité, il n'y aura aucun développement. Enfin, nous voulons que les potentialités africaines soient exploitées en Afrique, que le diamant congolais soit exploité, travaillé et vendu en Afrique pour que nous ayons. Votre micro transformé en Afrique pour que nous puissions consommer d'abord nos produits, nos matières premières. Or, l'expérience a prouvé qu'en Afrique, nous consommons ce que nous ne cultivons pas et nous cultivons ce que nous ne consommons pas. Donc, c'est ce paradigme qu'il faut renverser maintenant pour que nous consommons ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous devons d'abord manger. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, le caoutchouc, personne ne consomme le caoutchouc, mais ce sont nos produits d'exportation. Le cacao, personne ne consomme le cacao en Afrique, mais c'est ça que nous produisons. Par contre, le riz, qui est un produit de première nécessité, nous n'en produisons pas. Donc, je crois que la démarche que vous avez entamée est une bonne démarche et toute la jeunesse africaine doit adhérer. Voilà mon mot de fin. Je vous félicite et je vous encourage pour les initiatives futures. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci. Merci. Les mots me manquent. Tout le monde remercie. Professeur, directeur. Oui. Il y a professeur Arakat et tu veux remercier le président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste, j'étais très touché par son excellence, Monsieur le Président Nokodo, donc, pour son excellence la pertinence de sa communication, parce que je suis vraiment optimiste lorsqu'on a des hauts responsables, des chefs d'État qui communiquent avec des jeunes. Et comme l'a dit M. le directeur de laboratoire, qui a apporté un soutien
à l'émergence d'une structure de recherche. C'est, permettez-moi, Monsieur le Président, on a des structures de recherche. Je suis membre organisateur avec mes collègues africains, et Dr Paul et mon ami directeur de laboratoire, au nom de l'Université Mohamed V de Rabat et au nom de la structure de recherche gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient. Je voudrais vous remercier beaucoup parce qu'on a appris beaucoup de vous et nous vous remercions pour le soutien apporté à la recherche scientifique et en même temps à cette communication avec des jeunes diplomates, les jeunes de demain. Et bien sûr, moi je suis optimiste lorsqu'on trouve des hauts responsables africains qui communiquent avec des jeunes dans des instances de recherche. Hein, on ne fait qu'apprécier ce geste-là que nous apprécions beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. Merci. Donc, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous présenter mes remerciements le plus vifs au nom des structures universitaires marocaines et au nom de la Revue marocaine d'audit et au nom du Centre international des études stratégiques de gouvernance globale et au nom également de les différentes structures qui sont organisatrices avec le Centre Institut Mandela et laboratoire de recherche. Et on aura une autre occasion, peut-être, de vous inviter pour faire une conférence à nos doctorants à Rabat sur cette pratique diplomatique. Merci beaucoup. Que vous avez Merci. Bien traitée et que vous avez nous donné beaucoup d'idées qui nous permettent, nous également, des chercheurs et des praticiens de diplomatie économique, d'apprendre et pour combler ce gap entre le technicien, entre l'expert et le diplomate, entre l'expert et le chercheur académique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, je suis toujours disposé. Et je suis d'ailleurs, pour la petite histoire, je suis du Royaume du Maroc. J'en reviens d'ailleurs. Je suis rentré du Royaume du Maroc cette nuit et je suis à Yaoundé. D'accord. J'attends l'invitation. Donc, vous êtes au Maroc déjà? Oui, mais je suis rentré du Maroc. Mais je suis le président sortant du Parlement panafricain. Cette semaine, j'ai animé une conférence sur la relance du Parlement panafricain au Parlement marocain avec les deux présidents de chambre, mon ami et frère, le président El Melki et Ben Chamache. Donc, on a fait une conférence à Rabat le 8 juillet. Donc, je suis vraiment du Royaume du Maroc. Je suis proche du Royaume du Maroc. On en reparlera. Ça nous fait un grand plaisir de vous inviter également pour nos étudiants à Rabat, pour les docteurs. Il n'y a pas de problème. Même s'il faut venir donner le cours, toutes les conférences, je vais bien les préparer. Et vous ça ne tirez pas dessus. Ça va honorer l'Université Mohamed V et je vous invite officiellement d'être parmi nous, soit D'accord. directement, soit indirectement. Et vous avez, Monsieur le Président, D'accord. mes coordonnées, parce que je viens de communiquer mes coordonnées. Ça me fait un grand honneur pour vous dédicacer mon livre sur la nouvelle diplomatie économique. D'accord. Si vous êtes à Rabat. D'accord, je serai là. Voilà. D'accord, je serai à Rabat. Merci, j'attends l'invitation. Voilà, vous avez mon email, si jamais vous... Comme ça, pour garder le contact et pour vous accueillir D'accord. à Rabat. Ça me fait un grand plaisir, Monsieur le Président. D'accord. Merci. Merci bien, merci infiniment, Monsieur le Président. Je m'en voudrais de ne pas vous dire au nom non seulement des participants ici présents, au nom de tous les organisateurs, de tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent cette initiative, vous dire merci. Merci d'avoir donné de votre temps. Vous êtes rentré très fatigué et ça n'a pas empêché que vous puissiez manifester votre attachement à la jeunesse africaine. Monsieur le Président Roger Côté, je vais très humblement laisser la parole à mon aîné, le docteur Paul Kananoura, pour clôturer cette session. Merci infiniment, Président, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Bon, c'est juste une seconde. Monsieur le Président, merci beaucoup. Surtout, votre engagement d'être à la disposition des jeunes pour partager votre expérience, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons et vous venez de le démontrer brillamment. Et donc nous comptons sur vous. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Encore merci beaucoup, donc on ne va pas vous retenir. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, Monsieur le Président.